Dans ce tutoriel, nous vous aiderons à commander la carte Ultima. Ensemble, nous vous guiderons de l'inscription sur le site jusqu'à la commande de la carte. Nous illustrerons le processus de KYC, la vérification du compte et la commande de la carte physique. Inscription sur le site. Rendez-vous sur ucrypto.card. Sur l'écran principal, saisissez votre adresse email et cliquez sur Proceed. Un code de confirmation de l'expéditeur Ucrypto sera envoyé à votre adresse email. Saisissez-le dans la fenêtre correspondante. Une page s'ouvrira où vous pourrez en savoir plus sur la carte Ultima, ainsi que commander la carte physique. À ce stade, le processus d'inscription est terminé. Commander une carte Ultima. Pour commander une carte, cliquez sur Order a Physical Card. Il vous sera proposé de suivre la procédure KYC. En fonction du pays de votre citoyenneté, cliquez sur les boutons ci-dessus « I come from a European country » ou « I'm from outside Europe ». Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible d'émettre et délivrer la carte pour les pays et régions suivants. États-Unis, Biélorussie, Cuba, Corée du Nord, République démocratique du Congo, République centrafricaine, Myanmar, Haïti, Iran, Libye, Russie, Syrie, Somalie, Venezuela, Yémen, Zimbabwe, République populaire de Donetsk, République populaire de Lugansk, Kherson, Zaporozhye et la Crimée. Veuillez noter que la livraison de la carte en Inde n'est actuellement pas disponible. Les cartes pour les citoyens indiens seront livrées au bureau Ultima à Dubaï. Et elles pourront être récupérées lors d'un événement prévu le 13 avril 2024 à Dubaï. Nous allons montrer la procédure pour les citoyens européens. Sur la page suivante, vous devrez indiquer si vous êtes résident américain et cliquer sur Continue. Maintenant, sélectionnez le pays dont vous êtes citoyen. Ensuite, choisissez le type de document que vous souhaitez télécharger. Veuillez télécharger votre document ci-dessous. Notez qu'il est nécessaire de changer séparément la photo du document recto verso. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur Next. Vous serez invité à prendre des selfies. Cliquez sur le bouton I'm ready lorsque vous serez prêt. Pour prendre un selfie, regardez dans la caméra de votre appareil. Assurez que votre visage est dans le cadre. Tournez lentement la tête en cercle. Si vous faites tout correctement, un message s'affichera à l'écran pour indiquer que le scan du visage a été effectué avec succès. Ensuite, à la dernière étape de la procédure KYC, vous serez invité à vérifier les documents et à confirmer les informations en appuyant sur le bouton Next. Félicitations, vos documents ont été soumis pour vérification. Les informations sur l'état de la vérification seront disponibles dans votre espace personnel. Après la procédure KYC, l'étape suivante consiste à compléter les informations manquantes. Vous devrez saisir votre numéro de téléphone ou votre adresse électronique. Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrez vos coordonnées et cliquez sur Confirm. Suivez ensuite les instructions de l'interface. Une fois les informations saisies, vous verrez un message indiquant que les données ont été soumises pour vérification. Vous pouvez suivre votre statut de vérification dans votre compte. Pour ce faire, survolez l'icône de votre profil et cliquez sur Basic Information. Commande et paiement de la carte. Une fois que le processus de vérification sera terminé, cliquez à nouveau sur Order a Physical Card. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez votre adresse et appuyez sur Confirm. Ensuite, vous serez invité à effectuer le paiement pour l'émission de la carte. Le paiement peut être effectué avec tous les actifs numériques disponibles que vous verrez dans la liste. Le coût en euros est fixé et s'élève à 250 euros, 235 euros pour l'émission de la carte et 15 euros pour la livraison. Le montant en USDT sera converti selon le taux de change au moment du paiement. Cliquez sur le bouton Pay en bas de l'écran. Une page avec les détails s'ouvrira. Scannez le code QR et copiez l'adresse ci-dessous pour y transférer les crypto-monnaies. Après avoir effectué le paiement, appuyez sur le bouton Done. Veuillez noter que vous devez effectuer le paiement dans les 30 minutes. Félicitations, vous avez commandé et payé la carte. Attendez les informations de livraison dans votre boîte de réception. Vous pourrez également suivre le statut dans votre espace personnel. Le délai de livraison approximatif est de 10 à 21 jours.